Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal TNH pour aujourd'hui. Kounia, nous pour présenter gratitude. Président de la République, Jovenel Moïse, fait une visite mercredi 10 janvier. Dans le stade Sylvie 14, côté chrétien protestant, il y a rassemblé dans une croisade évangélique sous direction de l'église Tabernacle de Gloire, qui est basée dans Miami, pasteur Grégory Toussaint a dirigé. Chambre députée a gagné un nouveau bureau dans tête lise, c'est député Delmar, Gary Baudot, qui a présidé Biosa, Caleb Deramo, vice-président, et séance administrative, Myriam Amilcar, vice-président affaires administratives, Jean-Willard Jean, premier secrétaire, Gerda Benjamin, deuxième secrétaire, John Arnous Bernard Kester, et Louis-Marie Bonhomme, vice-Kester. Pendant l'année 2018, la Radio Nationale d'Haïti t'a doué retourner dans le local, dans rue Magasin de l'État. C'est ingénieur responsable travail réhabilitation locale là qui va garantir ça. Dans le moment, visite directeur général Radio Nationale, là, Jules Gamal Augustin, avec directeur général ministère communication, Calvin Cadet, sous chantier. Oui, Conseil supérieur pouvoir judiciaire a remettre jeudi à proposition li fait sous amendement constitution 1987 la by commission spéciale qui travaille sous dossier ça dans chambre députée. Et puis président américain Donald Trump a exclu possibilité pour États-Unis à retourner dans accord sur climat paria si toutefois États-Unis a une condition qui plus favorable. Restez avec nos amis TNH à titre à sujet pour développer dans le journal en projet de bien. Et je notais annoncé le président de la République, là, Jovenel Moïse, fait une visite mercredi à diriger. Dans l'intervention, le chef d'État a expliqué qu'il y a plusieurs travaux qui sont réalisés pendant 11 mois sous pouvoir. Le président Jovenel Moïse a précisé le travail pour mener Haïti sur route changement pour 5 années, il a passé dans tel pays. Nous invitons à suivre un extrait, un micro Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Maintenant, ce fait à souhait. Pendant toute campagne, il y a une force moyenne de l'âme de l'homme. Et moi, j'ai une élection sous promesse que je me fais, mais c'est vœu que je me fais, mon Dieu, nous, de dire, permettre le président, après 5 ans, à quitter le pays. Et là, je vais l'invitation pour me venir dans ce stade-là, pour me faire bon diable, pour me faire des messages. Pour me dire que, côté lié aujourd'hui, je suis isolé en pile. Je suis pour son monde d'appui, pour moi. Parce que son métier est difficile. Ça m'a fait aujourd'hui avec le président de mon pays. Il n'est pas facile, même. Il y a des bonnes décisions qui viennent pour moi, parfois, pour contrôler mon destin. Mon seul monde d'avoir mon Dieu. C'est ça que fait. L'homme prend des décisions. Je ne vais pas prendre aux gens pour appuyer. Je ne vais pas prendre aux gens pour appuyer. Et lui-même, il va répondre moi. Et une bonne décision. Depuis 11 mois, il y a des grosses décisions qu'à prendre. Il y a des décisions qui viennent pour toi encore dans le pays. Mais les gens me disent, je vais regarder dans les matins. Je voulais que le monde s'assoie. Est-ce que si moi, je vais regarder pour 24 ou 24 dans le pays, dans l'aide de Dieu. Mais ma peur, parce que mon Dieu a même, mon Dieu voulait changement dans le pays. Est-ce que si moi-même, je vais me faire 4 jours, 4 jours, pour sa colère, qui va faire depuis le pays à découvrir, m'appelle parce que mon Dieu a vécu. En pile pour la gagne, nous avons dit parlé, que nous avons pu faire un pays, ça avec l'aide de Dieu. Et vous connaissez que Haïtien, peuple ça, son peuple qui fier, son peuple qui croit la peau.
point de visite et peuple bon Dieu qui est Rome là. Parce que Rome dit ça, que peuple bon Dieu a la nationalité, peuple bon Dieu a sur toute la terre, peuple bon Dieu a tout partout. Même dans Haïti, nous-mêmes, nous représentons partie de peuple bon Dieu. M'a dit nous à souhait, pays ça, que nous chaque qui l'a nous aimait. Que nous chaque qui là nous partage pour voir que bon Dieu va mourir parce que le pouvoir vient de Dieu même dans ce peuple là bon, pour moi c'est bon Dieu et la voix du peuple c'est la voix de Dieu et le peuple là parler c'est bon Dieu parler c'est pour ça que je dis pendant moi même moi sous pouvoir en Haïti moi là pour tout le monde nous débat pour voir pour moi faire avec Dieu nous faisons. Même le magistrat votre prince qui là, ensemble avec nous, j'ai des chances semaine dernière pour vous rencontrer même ensemble avec lui. Mais j'ai des chances d'île, magistrat Charles là, nous sous-dos. Mais peut-être qu'il y a des décisions là, pour nous pour ensemble. C'est moi bon seul dans la vie. Parce que le peuple a bon pouvoir. Pour diriger, pour une bonne presse, nous avons le bon pouvoir pour diriger le pays. Pour nous mettre nous ensemble. Nous n'avons pas besoin de qui parti, nous avons besoin de qui parti politique. Nous avons dit à parti politique, là, il est Haïti. Le parti politique, ça, c'est lui-même, nous gagnons pour nous tous marcher derrière. Pour reconstruire notre pays. Pour faire suspendre, faire une explication dans le pays. On a travaillé. On a pris une décision à déjà, à partir de mois janvier, pour me travailler avec toutes les rues dans le pays, même dans le pays Port-au-Prince, pour que le service voit les rues fonctionnelles, pour que le patra se spawn par les rues dans le pays. C'est Wallman. Wallman, comme président, je dis. M'a dit nous. Le lien là, il n'est pas à l'heure pour nous battre dans la carrière, nous connaissons à 8 heures chaque jour. Nous pas qu'il y ait des trois, mais pas oublier. Route la preuve, c'est route lumière, c'est route espoir. Route côté, nous décidons pour nous servir, mon Dieu. Route côté, nous décidons pour nous joindre, mais l'autre dans la vie. Pas d'abdé monde dans la vie. Pas d'abdé monde dans la vie. Sur monde. C'est pour ça, par moi, par moi, je dis, lorsque nous avons dans le pays, nous avons gardé là, nous avons un pire haïtien qui a gardé, nous avons gardé, nous avons gardé devant nous là. L'autre sujet, notre objectif pour parler de travail, organisation, il est en train de faire 8 l'année après tremblement de terre qui était passé sous pays d'Haïti 12 janvier 2010 là. Une équipe télévision nationale d'Haïti a rencontré quelques responsables dans l'organisation SILA. On a invité à suivre qu'il y a un reportage avec Rodney Dorléan et Hervé Pierre sur ce sujet ça. Huit l'année après catastrophe naturelle qui t'a frappé Haïti, Healing Hands Haïti continue à faire main victime. Prothèse, c'est quelques matériels sans réhabilitation ça fabriqués dans propre laboratoire pour distribuer à les gens qui subit handicap pendant le tremblement de terre 12 janvier. Donc après le 12 janvier, donc, le centre a été inauguré et puis victime yo qui t'a déjà commencé. Prends soin, la Healing Hands for Haiti, le nouveau centre, et continuer à venir recevoir soin. Et jusqu'ici, ok, après 8 ans après tremblement de terre, là, des personnes qui étaient amputées, parce que là, là nous font prothèse, nous font orthèse pour une victime, et c'est pas que nous, on est fait, nous voyons la calle avec elle, parce que ça, il mérite des suivis, certaines fois, si c'est un petit monde, si nous avons apprendi, donc il faut. Et toutes les victimes ont toujours continué à fréquenter son plan. 6 l'année après l'événement, l'organisation a appliqué une nouvelle technique dans le laboratoire pour construire matériel qui a facilité les handicapés à fonctionner sans ne pas sentir trop cicatrices psychologiques qui ont été responsables dans l'occasion. Laboratoire 3D
3D, c'est réalisation, prothèse en trois dimensions. Donc, dimension X, Y et Z. Donc, sous gagne au cas volume. Et comment nous faisons? Nous gagnons vraiment machine ça. Machine ça, c'est eux qui vraiment imprimer prothèse. Pour nous faire, nous avons deux façons que nous faisons. Premièrement, nous sommes capables de jeunes patients d'abord. Nous faisons mesure. Et puis, avec mesure, là, nous scannons. Nous avons un scanner qui est DNA. Nous scannons ça. Et puis ensuite, nous travaillons sur machine à partir du logiciel. Et puis ensuite, nous transportons à travers un 4SD sous imprimant. Deuxième façon, le fait que ces technologies sont capables de développer, nous faisons plus simple. Nous utilisons un scanner, nous mettons juste chita, nous prenons photo, main blanc, partie qui est amputée, et puis ensuite, nous prenons photo, ça qui est en trois dimensions, nous travaillons avec un logiciel, soit mesh mixer, cura, etc. Parce que nous utilisons plusieurs, et puis ensuite, nous faisons même processus, ça nous juste transporter sous imprimant avec SD. Les gens ont vraiment un panneau de contrôle que je peux utiliser pour moi faire choix de et fichier que moi mettais sous l'IA. Et une fois que je sélectionne, voilà, je clique sur imprimer. Donc, machine, il commence à travailler et puis ensuite, on va voir que le matériel a sorti de lui pour qu'elle va nous protéger ça, qui c'est une protège 3D. Il y a plusieurs personnes qui sont handicapés qui bail service en dans Healing Hands Haïti. C'est un signe, d'après directeur exécutif organisation SAA, Dr. Eddy Levesque, qui montrait que les handicapés qui ont place dans la société parce que c'est des gens qui tout le monde. Et pour qu'on y a la fois qu'on est conseiller à fait public ambassade États-Unis en Jeanne Clark, visité jeudi 11 janvier 2018 la télévision nationale d'Haïti. Dans le cadre visite ça, conseiller qui toujours existait entre ambassade là et TNH. Jeanne Clark dit, il souhaitait renforcer relations ambassade États-Unis à télévision nationale d'Haïti en suivre. Et souhaiter tout le monde ici à télé nationale d'Haïti bonnes années. Ça, c'est la première fois que j'ai l'honneur de rencontrer le directeur. On a un très bon rapport depuis des années avec Télé Nationale d'Haïti et j'espère que dans ma position comme conseiller des affaires publiques, j'aurai l'occasion de travailler et renforcer le rapport que nous avons déjà. J'ai le grand plaisir de recevoir madame aujourd'hui. On a discuté de plusieurs concepts qui concernent le monde médiatique haïtien. Et on a discuté aussi de la marche, comment ça fonctionne la télévision nationale d'Haïti. Et puis Entente Nationale, présenté par le public le jeudi 11 janvier. Président Entente Nationale, Jean-Tel Joseph Croix, et c'est le bonjour dialogue qui a résolu une série de problèmes pays à faire face. On suit l'extrait. Ce n'est pas une plateforme électorale. C'est un ensemble d'entités politiques. Organisation de base, un leader qui estime que politique n'a pas qu'à continuer faite, Jean l'a fait et depuis bon nombre de temps dans le pays, hein, nous estimons que faut que politique l'a fait. En l'autre façon, eh bien, nous mettons tête nous ensemble pour nous donner une formule pour nous adresser problème nation. Nous gagnons une organisation politique et plateforme politique qui constituent en tant que et plus de 80 organisations de base. C'est ça qui est entente nationale. Je dis, nous venons pour nous dire population que nous comprenons le problème pays. C'est pas dans boule caoutchouc, c'est pas dans tirer coup de roche, c'est pas dans détruire monde que nous capable poser, mais si nous besoin poser problème là pour nous une solution avec, c'est chita pour chita autour d'une table. Faut gagner une entente. C'est dans ce sens ça. Nous avons lancé un appel solennel à toute partie politique
généralement quelqu'un qui croit dans la stabilité, qui croit dans le progrès, qui croit dans la paix, qui a bataille pour une justice sociale, pour rejoindre nous dans le gros combat national que nous lancer pour nous adresser problème paysan et joindre solution à problème ça. Pas qu'à gain solution problème yo si ne pas poser problème. Et seule façon pour nous poser problème yo s'entendre pour entendre. Et je note annonce Oli, directeur général Radio-Télévision Nationale d'Haïtien, Jules Gamal Augustin, accompagné directeur général ministère communication Calvin Cadet, visité jeudi 11 janvier à ancien local radio national dans rue Magasin de l'État pour garder comment travail réparation local a avancé. Local RNH là, a droué pendant l'année 2018 là, d'après ingénieur qui est responsable chantier, on a invité au suivi un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et Evan Joseph. Local Radio National là, c'est une parmi institutions qui était pris gros frappe dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Depuis après l'événement ça, radio a pas continué à fonctionner dans le local habituel dans rue Magasin de l'État. Pour faciliter Radio National tourner en place là, depuis l'année passée, dirigeant yo lancé travail réparation local institution. C'est dans ce sens ça, directeur général Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Jules Gamal Augustin, visité espace là pour constater comment le travail a avancé. Jules Gamal Augustin fait qu'on est considéré comme un signal pour aider les zones à reprendre la ville gagnée avant le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. En construction qui a marché très bien et son message dit tout. Parce que nous avons tout immeuble d'État qui a commencé à remonter en bas de la ville là. Et nous avons le ministère a monté, BRH a fait là, et je pense que c'est l'heure après 12 janvier, de commencer l'heure pour nous être capables de faire Port-au-Prince revivre encore, pour nous être capables de faire en bas la ville là, revivre encore, Jean-Luc Condu là. Et d'ailleurs, son immeuble qui était fait pour Radio Nationale, son immeuble qui est préparé pour ça, là où on est maintenant, il n'est pas fait pour ça, c'est un carré privé, et c'est un plaisir pour nous garder lui et pour nous voir qui l'heure qui n'a pas paré pour nous capables de rentrer avec elle. On va profiter de dire merci à l'ancien directeur, Marc-Xavier, qui a commencé ce travail là. Ça a montré continuité d'État, nous-mêmes n'avons continué le travail, mais ingénieur avec moi, ingénieur a été pour mettre au moins du moment que toute bagaille bien faite parce que l'État a tout gagné des décaissements que le fait. Fait nous remercier l'État haïtien, parce que c'est comme l'État haïtien, c'est comme taxpayer, c'est comme monde qui a payé taxes qui a travaillé là. So, et je pense que l'ingénieur a dit du moment que toute bagaille fait normal dans notre plan technique. Fait nous gagner émetteur, fait nous gagner mixeur, fait nous gagner équipe de bagaille que nous allons mettre dans le local là. So, nous ne pas battre nous mentir, nous capables de dire peut-être été 2018, on aura peut-être la Radio Nationale. D'après ingénieur qui est responsable chantier, Calix Jean Eveniel, l'Ikouen en mi-temps année 2018 là, compagnie en mesure pour remettre travail. Nous avons un processus pour nous atteindre l'objectif que nous avons gagné, bien que nous sommes capables de prendre deux ou trois mois en plus concernant ça nous prévoit dans le problème de rentrée. Tout ça que nous avons gagné en évidence est arrivé à réaliser. Et on connaît que dans un projet, il y a des décaissements qui sont faits. Les décaissements faits à temps, et bien le projet a fait à temps. Les décaissements lui-même fait en retard, certainement qu'il y a des retards qui permettent que nous partions l'objectif à la date que nous avons pouvoir. Contrat qui signe accompagne rapide construction SA, RACOSA, gain responsabilité tout pour prendre en compte espace pour parking et pour embellir la cour, j'en ai déjà eu depuis création Radio Roi. Responsable relations publiques avec sous-humaine compagnie, Rachel Jean, expliquait pas bien trop de modifications qu'a fait sous plan radio et été soumettre dans le cadre de travail ça. Et puis, une fois qu'on est chambre députée, a gagné un nouveau bureau dans tête li, c'est député Delma, Garibodo, qui a présidé bureau ça. Jean-Willer Jean, premier secrétaire, Gerda Benjamin, deuxième secrétaire, John Arnous Bernard Kesté, et Louis-Marie Bonhomme, vice-Kesté. C'est 106 députés qui étaient participés dans la séance si là, en suivre. Aujourd'hui, du haut de cette tribune, je renouvelle mes plus vives félicitations car vous avez consenti à faire d'énormes sacrifices pour maintenir le flambeau de la Chambre des députés. Qu'il me soit permis d'utiliser ce micro en cette ultime occasion qui m'est accordée
de remercier les autres membres du bureau qui m'ont accompagné dans la tâche, tant dans mon premier mandat que dans le deuxième. Vos travaux ont été indéfectibles dans le fonctionnement du bureau et dans l'exploit de l'Assemblée au cours de la législature écoulée. Je conçois que la tâche n'a été nullement facile, mais vous y êtes resté attaché. Toute belle histoire a une fin. Et toute fin annonce le début d'une autre histoire. La vie est ainsi faite et on ne saurait aller à contre-courant. Et ainsi, mon parcours en tant que président de la Chambre des députés prend fin aujourd'hui. Je pars avec le sentiment du devoir accompli et du travail fait. J'ai acquitté avec honneur et détermination mes 2 années de présidence du bureau. Et sur cette lancée, je continuerai à œuvrer en tant que député et membre de ce corps en vue de contribuer à l'accomplissement des missions de la Chambre des députés. Moi, c'était nouveau bureau Palmontéa. Bon travail. Attends plein de succès pendant l'année qui va venir. Moi, j'espérais nouveau bureau à répondre à tant sur exigence et mettre la hauteur pour assurer bon fonctionnement chambre députée. Moi, pour mettre tout pour moi être disponible pour bureau et surtout pour le nouveau président qui va monter pour me donner tout conseil, toute l'idée. Voilà, on t'a suivi que tout bureau dans tête li, c'est député Delma Garibodo qui a présidé bureau ça, Caleb Deramo, vice-président séance, Myriam Amilcar, vice-présidente administrative, Jean-Willer Jean, premier secrétaire, Gerda Benjamin, deuxième secrétaire, John Arnous Bernard Kester et Louis-Marie Bonhomme, vice-Kester. Et nouveau président chambre députée à Garibodo promet pour le travail, pour voyer une plus bonne image sur le fonctionnement chambre, parce que dans le règlement interne institution et puis dans le site web chambre députée à public, une façon pour tout le monde d'avoir accès à l'information qui est disponible. L'image des collaborations, tout collègue lié pour faciliter une plus bonne compréhension, une enveloppe. N'a invité au suivi un extrait dans le micro TNH. L'application de nos projets et programmes ne vise ni la gloire, ni les intérêts de partis politiques en particulier. Ce n'est ni le triomphalisme de tel ou tel politicien, ni la prépondérance de tel ou tel courant politique ici à la Chambre des députés. Cette présidence gagnant-gagnant que je prône est plutôt le partage des responsabilités entre les différents acteurs du Parlement haïtien visant à changer l'image de cette institution, d'assurer la consolidation des acquis démocratiques, d'aménager des espaces de dialogue avec les autres pouvoirs vis-à-vis du gouvernement. Afin que mon ministre vienne là, il pense que c'est en vacances, il vient, il se promène, la première, ça finit. Le pays est dans l'expectative, les immenses défis auxquels est confronté le peuple, la cherté de la vie, la dégradation de l'environnement politique, social, moral. Tous les maux qui nous assiègent doivent trouver une solution urgente à travers la stabilité de nos institutions et l'apaisement social. C'est pourquoi nous avons jugé urgent de prendre le taureau par les cornes, d'affronter ouvertement les problèmes. La présidence gagnant-gagnant que nous prenons encore une fois aujourd'hui est axée sur la culture du résultat et sur le respect scrupuleux de la Constitution et des règlements intérieurs de la Chambre des députés. Dans cette perspective, une question émerge. Quels sont les projets et programmes qui nous tiennent à cœur en tant que nouveau président de ce bureau et qui peuvent, à moyen et à long terme, produire des résultats durables sur le fonctionnement normal et régulier de la dite institution? Dans les semaines à venir, je demanderai à un groupe de travail composé d'experts
en matière logistique, de culture parlementaire et de politologue, de faire un diagnostic de la Chambre et de nous soumettre dans les meilleurs délais et dans la perspective des réformes à entreprendre, des recommandations appropriées pour suivi et mise en œuvre. L'amendement des règlements intérieurs et de l'adaptation aux nouvelles réalités politiques et culturelles du pays constitue le premier pas à entreprendre avant tout travail d'expertise. Donc, il est très important pour amender le règlement intérieur là. Et il y a un point, je vais demander aux collègues pour faciliter. Après deux mandats dans le bureau, pas de mon troisième mandat. Merci. Nous devons combler le déficit d'image auquel la Chambre des députés fait face durant ces deux dernières années. C'est un défi majeur auquel nous devons répondre. Aussi, dans un souci de transparence et de reddition de comptes, proposons-nous de rendre disponibles les procès-verbaux des séances et les comptes rendus des travaux des commissions. À la même occasion, nous allons rétablir le fonctionnement du site web du Parlement et le rendre accessible au grand public. En plus d'offrir aux journalistes, aux étudiants et aux chercheurs, d'ici et d'ailleurs, un moyen rapide et efficace pour s'informer sur les réalités de la Chambre des députés, ce site servira aussi à publier les noms des députés présents à chaque séance. Voilà, les amis, PNH, c'est le moment pour nous observer pause commerciale. Là, on retourne tout de suite après avec l'autre information pour jeudi. Actualité à poursuivre. Merci pour fidélité et attention. Président République là, Jovenel Moïse, accompagné secrétaire général Paléa Yves Germain-Joseph, visité différents services à la direction dans Paléa. Visite ça qui fait une occasion nouvelle année. C'est une façon pour chef l'État renouveler support par personnel là dans le travail à faire chaque jour et puis pour tant des besoins. Une visite personnelle Paléa applaudi. Mais pour Kounia, n'a pas connu tout. Dans le cadre d'une cérémonie Conseil supérieur pouvoir judiciaire remettre commission spéciale qui travaille sur question amendement constitution dans la Chambre députée. Vice-président CSPJA, M. Wendell Coctelor, dénoncé faiblesse dit qui gagne dans la constitution d'opposition sur question amendement moment loi pays. M. Wendell Coctelor, et dans le micro, c'est le quoi pas qui avec Joseph Michaud. Il est là pour que nous te fait nous assez de confiance, savoir commission qui travaille sous Parlement pour demander nous pour nous te travailler. Nous te travaillons et nous venons avec fruit travail nous, côté que nous fait proposition pour nous bailler actuellement là, en présence de tout le monde. Là, nous sommes en présence de tout le monde, en présence de commission et en présence de journalistes qui ont fait toute société à connaître que CSPJ fait travail par là. Nous estimons que nous faisons œuvre qui vaille. Oui, nous disons nous faisons œuvre qui vaille, puisque dans bon côté par nous, tout ça qui constitue faiblesse dans la constitution, dans le niveau pouvoir judiciaire là, nous dénonçons et nous faisons proposition. Et en tant que citoyens, nous allons plus loin, puisque il y a des bails qui dans la constitution que nous pas d'accord avec du tout et nous fait des propositions pour nous. Nous estimons que nous travaillons et nous assurons que la commission lui prend en considération tout ça que nous faisons pour que la société ait un soulagement qui fait par rapport à toute critique qui a porté dans la constitution de 27 là que l'a amendé ou pas. Voilà, on t'a suivi que dans le cadre d'une cérémonie Conseil supérieur pour voir judiciaire remettre ensemble proposition, il était fait sous amendement Constitution 1987 là. Dénoncer faiblesse dit qui gagne en constitution 1987 là pendant les souhaités commission prend en compte ensemble proposition sous question amendement moment loi pays. Président commission spéciale qui travaille sur amendement constitution, député Thierry Tardieu, remercier membre conseil supérieur pouvoir judiciaire pour travail réalisé sur amendement constitution. Et de l'autre côté, député Pétionville l'a dit, l'IPRAL ramasser proposition plusieurs secteurs produits dans ce sens ça, une façon pour gagner une autre constitution qui répond à la réalité pays.
Député Diri Tardieu a annoncé 29 mars 2018 qu'a vini la commission a bien pour présenter rapport final li sous ensemble proposition dans loi pays. Député Diri Tardieu est dans micro Steph Kwapaki avec Joseph Michaud. C'est avec un pile plaisir et un pile satisfaction constitution. Ça fait de cela plusieurs mois nous défendons premier atelier de travail et nous remercions Conseil supérieur pouvoir judiciaire que le fait suivi. Il était monté une équipe technique, il était monté un comité technique qui était travail sous document ça que nous recevons aujourd'hui. Ma bonne assurance, madame la vice-présidente, ma baille tout conseil là, assurance que commission apprend proposition ça très au sérieux. Nous avons double mission, madame la vice-présidente. Nous avons une mission pour nous mener un dialogue national pour que les propositions d'amendement soient mariées avec sa pays, institution, secteur, pour prendre de maman loi pays. Et nous avons l'autre aspect là-dedans, c'est le travail que nous allons faire pour nous ramasser toutes les propositions et puis pour nous offrir société à un ensemble cohérent pour que nous gagnions une maman loi pays qui marie avec la capable de réalité pays. Et qui marie à défi capitaine nous dans le futur. Le 29 mars 2018, Constitution pral gagner 31 ans. C'est date symbolique ça, madame la vice-présidente, que nous-mêmes dans la commission nous choisis pour nous présenter pays à ça nous relie un rapport d'étape. Rapport d'étape là qui s'allie n'a informé nation de tout secteur que nous rencontrer et de qui ça yo dit nous. Qui ça yo partager avec nous, qui recommandation que yo fait nous. Et à partir du rapport d'étape ça, commission avec expert Lio, dont l'expert senior qui est ici présent, le docteur Louis Nopierre, l'historien et constitutionnaliste Claude Moïse, qui est la référence avec laquelle nous travaillons sur le sujet, n'a pas pu être présent malheureusement, il est en voyage au Canada. Et mais avec ensemble d'experts ça, de consultants ça, de conseiller ça, nous pourrons travailler pour nous formuler des propositions d'amendement. Le sujet, groupe CAP supporté Timoun à handicapé, une organisation CAP travaille dans le domaine social, dit au satisfait de ensemble travail président République là, Jovenel Moïse, fait quelques mois après l'immonter dans tête PIA. Et Vincent Barbier avec Nesli Michaud qui parlait de ensemble un projet déjà réalisé en faveur Timoun avec handicapé, souhaitait jouer un accompagnement bon côté autorité concernée avec nous encore en nous suivant un extrait. On est jeune avec le président dans la campagne l'île dit nous al chercher moun al faire nous joindre moun qui pas en mesure pour rejoindre gouvernement. Et puis qui met organisation ça la frappe. Organisation ça a gain plus que 9 ans souterrain parce que nous existé depuis 1er octobre et tout ça que nous a fait en dans organisation. Social nous fait nous un programme dans organisation qui relève caravane quartier. Caravane quartier qui s'allie, c'est rejoindre nos régions, population, peuple qui va qu'à rejoindre le président. Le président, dans le discours, il a fait avec les campagnes de Chidavel, il a dit qu'il programme PAM, il a dit président Jovenel, programme PAM, moi-même, c'est aller chercher les gens qui va qu'à rejoindre nous, l'offre du président, pour mener les gens au barreau. Il a dit al travail. Je ne dis pas travail. Je connais la moi-même, je rejoins le président. Je connais le président, c'est le président pas mieux, je travaille, je connais la région. Je ne dis pas, et ça fait, je me lève chapeau bien haut devant le président Jovenel qui a fait un travail pour le pays. Mais si il y a une caravane, nous-mêmes, nous avons une caravane quartier, nous avons des gens, je connais le président, la marche rejoint nous. Nous avons fait un pile de travail sur le salon d'organisation. Bon, nous faisons un pile de travail. Nous faisons un pile de travail avec moi, un pas nous. Nous faisons travail parce que le président a dit nous, à le travail, nous-mêmes, nous travaillons. Nous aidons. Nous faisons social, nous faisons pauvres, nous bénissons, nous retirons chaque mois, nous faisons pauvres, nous bénissons, nous mettons sur eux, nous pouvons envoyer la société, nous dans la société. Parce que y a des gens qui souffrent, qui ne peuvent vivre dans le moment, mais nous-mêmes, nous cherchons ça pour nous rejoindre le président. Et nous connaissons le président après le président. Et qui zone nous déjà intervenu, qui côté nous déjà aidé les gens? Bon, nous aidons les gens, nous faisons un programme caravane dans Pétionville, sur place Saint-Pierre, nous baillons les manger, nous baillons les moyen, nous mettons manger dans le bolio, et puis nous mettons l'argent dans la poche, nous baillons une enveloppe qui c'est 250 gouttes. Nous faisons ça et Bel Air,
nous gagnons très prochainement là et fin mois là nous cité soleil. N'a pas observé une autre pause commerciale dans le journal. Actualité à poursuivre dans l'idée pour garder l'évolution dans le domaine formation académique sous affaire construction dans le PIA, 8 l'année après tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Une équipe télévision nationale rencontrée Edgar Etienne, une membre conseil direction faculté sciences, FDS, dans l'université l'État. D'après responsable blague, changement qui potait dans le programme formation FDS là. On suit un compte rendu avec Oudli Noël avec Jean-Jacques Darlilouor. À côté nouveau coup, direction faculté sciences facilite quelques étudiants faire spécialité yo dans université à l'étranger, yon façon pour renforcer programme formation FDS. Après 12 janvier 2010, nous venons renforcer plusieurs cours. Notamment nous gagnons 2 étudiants par année qui allaient dans l'université de Sherbrooke avec professeur Polt qui dans l'université de Sherbrooke qui fait des formations qui prennent des maîtrises en construction géotechnique. Et nous avons plusieurs London qui passent tout. Nous avons 2 étudiants qui sont aux États-Unis qui font sismologie. Nous avons en France. Nous avons plusieurs étudiants qui sont en Belgique. Nous avons même des doctorants. Nous avons même 2 docteurs et 2 personnes qui ont fait doctorat en Belgique. Ce qui change, c'est qu'à partir de là, nous avons un professeur Polt avec une équipe qui est un professeur de Sherbrooke qui entre chaque année. Vin font cours dynamique des structures. Dynamique des structures, c'est pour prendre en compte effet tremblement de terre. Là. Concernant la construction, après tremblement de terre 12 janvier 2010, la faculté des sciences offre service consultation à travers une unité géotechnique par institution en particulier. Service nous à la communauté, c'est-à-dire que si on a fait un bâtiment actuellement et que le besoin de service a encore assez abordable, depuis l'IGN doit contacter faculté des sciences. Faculté des sciences présent à tous les niveaux, c'est-à-dire que il y a un laboratoire national qui baille même service. Bien entendu, nous comptons travailler à laboratoire national. Et laboratoire national baille service et c'est des étudiants de faculté des sciences en général qui travaillent dans le laboratoire national. Nous avons des autres entités qui font appel à étudiants et faculté des sciences, c'est-à-dire par exemple si on fait route, il y a une étude géotechnique qui fait. Donc là, on fait étude géotechnique là, étant donné que nous avons une formation en géotechnique. Et nous avons des étudiants qui partent à l'autre bois, qui ont renforcé les connaissances. Plus ça, les étudiants ont servi encore pour pratiquer ça. Professeur Edgar Etienne a annoncé le lancement officiel et reconstruction du bâtiment FDS là pour 12 janvier qui est venu là. Pour Kounia, la faculté a fonctionné dans une partie dans la locale institution Saint-Louis Gonzague. Il y a un an international là, la fois qu'on est d'après, un dernier bilan, la boue qui t'a pas coulé dans Santa Barbara, dans Californie, mercredi, chez Ampine, dans la boue, ça, à côté, une centaine de cas est détruit, environ 30 000 monde évacués, plusieurs portions route envahies avec la boue, et puis des brios après été fermés pendant plusieurs jours. Et président américain Donald Trump pas exclu possibilité d'un retour dans l'accord sur le climat paria mercredi 10 janvier 2018. L'administration l'a montré retrait dans l'accord Paris en moins que les États-Unis ont joué une condition qui est plus favorable en suivre. Président américain a déclaré qu'il n'y a pas écarté possibilité pour le retourner dans l'accord Paris sous climat. C'est très injuste pour les États-Unis. Honnêtement, je n'ai pas de problème avec cet accord, mais j'ai un problème avec ce qu'ils ont signé parce que j'ai conclu un mauvais accord. Donc, nous pourrions en théorie y retourner. Mais je dis que nous sommes très forts sur l'environnement. Je suis très sensible sur la question de l'environnement. Moi, je suis sensible en pile pour l'environnement. Le président Trump n'a pas précisé s'il voulait finalement renégocier l'accord. L'a montré retraite à Coparia a fait vrai, mais la printemps à moins que États-Unis t'a joué une condition qui plus favorable. Le mois septembre passé, le président français a été rappelé l'ONU, communauté internationale là, t'est opposé à une éventuelle renégociation à Coparia. Si plusieurs villes américaines, tant que New York, t'est déclaré favorable pour accord sur climat, jeudi passé, le président américain a annoncé intention pour ouvrir plus fort le littoral, dans l'objectif pour exploiter pétrole à gaz offshore. Voilà, mesdames, messieurs, c'est le journal fini pour jeudi. Avant nous aller, nous rappeler au pivot point.
président République, la Jovenel Moïse, fait une visite mercredi 10 janvier à un stade à Sylvie 14, côté chrétien protestant rassemblé dans une croisade évangélique sous direction l'église Tabernacle de Gloire, qui est basée dans Miami, pasteur Grégory Toussaint a dirigé. Chambre députée a gagné un nouveau bureau dans tête liste, c'est député Delma, Gary Boudou, qui a présidé le bureau ça, Caleb Deramo, vice-président séance, Myriam Amilcar, vice-président affaires administratives, Jean-Willer Jean, premier secrétaire, Gerda Benjamin, deuxième secrétaire, John Arnous, Bernard Kester, et Louis-Marie Bonhomme, vice-Kester. Pendant l'année 2018, la Radio Nationale d'Haïti a dû retourner dans le locali dans rue Magasin de l'État. C'est ingénieur responsable travail réhabilitation locale qui va garantir ça dans le moment visite. Directeur général Radio Nationale d'Haïti en Jules Gamal Augustin avec directeur général ministère communication Calvin Cadet sous chantier. Conseil supérieur pouvoir judiciaire remet jeudi à proposition li fait sous amendement constitution 1987 la baille commission spéciale qui travaille sous dossier ça dans chambre députée. Président américain Donald Trump pas exclu possibilité pour États-Unis qu'à retourner dans l'accord sous climat paria si toutefois États-Unis t'a une condition qui est plus favorable. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal TNH pour jeudi. Nous souhaitons passer une très bonne soirée et à bientôt.